originaire de l'Égypte ancienne, sous forme de palmier. Le premier éventail a été découvert en Chine. Les éventails, aussi connus sous le nom de Senshu au Japon ou encore Abanicos en Espagne, sont des objets utilisés pour induire un courant d'air dans le but de se rafraîchir. Généralement confectionnés à partir de tissus ou de papier. Dans cette vidéo, nous allons décorer nos feuilles de papier qui serviront à fabriquer des éventails. Nous aurons besoin d'un sèche-cheveux, de la peinture à eau, de 3 feuilles blanches, un pinceau et du scotch pour maintenir vos feuilles au cas où vous choisissez d'utiliser le sèche-cheveux. Je commence par étaler mes différentes peintures sur les feuilles blanches et à l'aide de mon sèche-cheveux, je vais éparpiller la peinture sur les feuilles de manière à créer un joli dessin. Vous pouvez diluer la peinture avec de l'eau pour la faciliter à se papiller sur les feuilles. Si vous n'avez pas de sèche-cheveux, vous pouvez utiliser la bouche. Juste souffler avec la bouche. Vous pouvez aussi utiliser une seule couleur ou plusieurs couleurs comme moi je l'ai fait. Je trouve que c'est encore plus joli avec plusieurs couleurs. Regardez comme c'est beau. Je vais ensuite utiliser la peinture noire pour terminer mon décor. Avec la peinture noire, vous pouvez dessiner des fleurs, des papillons. Tout ce que vous trouvez joli. Vous pouvez aussi faire des points, des lignes, des cercles. Je continue avec des points. Des points, des points, des points. Voilà. Nos feuilles sont enfin prêtes pour fabriquer de beaux éventails. Au revoir les amis.